Ladies and gentlemen, please welcome from France 24, Stephanie Antoine, along with this morning's panel on decoding Africa's economies. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session consacrée au modèle économique africain. Hello and welcome to all of you. A special session on African economies. On va commencer avec Frédéric Barranger, qui appartient à l'Institut Amadeus, qui est un think tank africain basé à Rabat, et qui va nous parler des modèles de croissance en Afrique. Exactement. Good morning to you all. My name is Frédéric Barranger, so I come from the Amadeus Institute. You know, when coming to this forum, we were asked to think about one question. Is Africa competitive? Now, when trying to gauge economic opportunity, you could go sector by sector. But what we thought would be more interesting, if we're just going to have 5 minutes together, is to give you our reading of some of the most fundamental structural tendencies that are currently changing and about to change the shape of the continent. Five what we would call game changers, which put together, even if you're aware of them, back to back, make the essence of Africa's competitiveness and attractiveness today, and even more so tomorrow. Now, the first one, and we've spoken about this yesterday, is without a doubt demographics. You know, during the next 40 years, Africa's population will double to reach 2 billion individuals. You know, funny thing about population when you think about it, you know, before the Industrial Revolution, power came with numbers, and the most populous countries were also the most powerful ones. But the Industrial Revolution changed this and sort of opened a historical anomaly, and technology became the determining factor. But today, globalization, by spreading out information, is evening out the technological gap. And if you look at today's most dynamic emerging economies, China, India, Brazil, Indonesia, and we believe Africa, they also count as the world's most populous. Now, the second game changer is urbanization. Now, we've also touched on this yesterday. You know, the current pace of urbanization in Africa today, even if you could argue that it's just catch-up growth, is the highest in the world. About 1 billion people should live in Africa by 2050. 16 of the world's 20 fastest growing cities will be in Africa. Now, urbanization will be, to our mind, a fantastic opportunity for the continent. You know, a more concentrated population will have better access to all kinds of services, will enable a spike in productivity, and will be much more easy to target for many entrepreneurs. Now, the third game changer, and it's also been touched on yesterday, is definitely consumption. You know, the increase in internal demand could constitute one of the most significant levers of growth on the continent. Now, in 2008, the global spending on consumption reached $680 billion in Africa. And you can see at what pace the middle class has been emerging. Now, in the past 3 years, consumption has increased faster than GDP, and it's by no means likely to stop there. And what has been proven even more interesting to us is that to this date, internal consumption has proven extremely resilient in the face of the economic and financial crisis. The fourth game changer is labor costs. Now, that one we talk about less. You know, it's no big secret that Africa has been left out, or has been to some extent left out, of the global division of labor. And yet today, we believe that Africa definitely possesses strong assets to take its seat back at the production table. Now, if you look at compared labor costs and productivity between China and Ethiopia, as has been done by calculations by the World Bank, they now clearly point to Africa for a certain number of high labor industries and services, and that's really interesting. Now, last but not least,
The fifth game changer for Africa, we believe, is financial services. You know, an economy's ability to rely on deep, on solid, and on efficient financial markets or financial sector constitutes a key element in the development of a modern economy. Now, in Africa, the banking sector has never moved this fast. In the past 15 years, loans to the private sector alone have more than tripled. You know, new experiences in mobile banking, for instance, have pushed back the barriers of bankerization. And the illustration behind me, you know, is another testimony to that. And it shows for the enthusiasm for capital, and even more specifically for stock markets on the African continent. Now, in a nutshell, this has allowed us to sort of give you a reading grid. It's very tiny and it's on purpose, of Africa's attractiveness. And if you combine all these elements, you really get a picture of a continent that is on the move, a continent that is led by regional leaders who are paving the way to an ever larger group of countries catching up. You know, a continent where the growth story can by no means anymore be summed up by natural resources. And we definitely hope that this gave you some elements to start this day on African economics. And if we've raised your interest, you can find the complete study on the New York Forum's website. Thank you very much, and enjoy the morning. Merci Frédéric. Donc vous avez parlé des atouts sur le continent africain. Alors vous avez dit que l'Afrique devrait connaître une croissance de 4,5% en 2012. Alors bien sûr, ça fait des envieux en Europe, puisque l'Europe va frôler la récession cette année, même si, comme vous l'avez dit, Frédéric, la démographie très dynamique en Afrique fait qu'il est difficile de comparer l'Europe de l'Afrique. Alors, en Europe, on aime les modèles, on aime ce qui marche. En France, on parle beaucoup du modèle allemand, et puis on se rend compte eh bien, que ce n'est pas si simple de mettre en place le modèle allemand. On a parlé beaucoup du modèle chinois, du modèle brésilien, mais est-ce qu'il y a un modèle africain? C'est vrai qu'à une époque, on parlait du modèle sud-africain. C'est vrai que l'économie africaine, et on l'a vu avec Frédéric, se diversifie, que la croissance repose essentiellement sur des exportations de matières premières qui stimulent les investisseurs et les investissements directs étrangers. Enfin, l'Afrique, c'est 53 pays. Qu'est-ce qui peut rapprocher le Gabon, du Maroc, du Nigeria? On en parle avec Luc Oyoubi, qui est ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable au Gabon, avec Wibi Bour, directeur général de la fondation nigériane, la Tony Elumelu Foundation, également avec Jean Chrétien, qui a été pendant plus de 10 ans Premier ministre au Canada, avec nous également Jean-Pierre Léman, professeur de politique économique et fondateur du Evian Group, le groupe Evian, qui est un think tank, et enfin Salahedin Mezwar, ancien ministre des Finances du Maroc. Il a eu le portefeuille des Finances pendant 5 ans, et aujourd'hui il est président du Rassemblement National des Indépendants, il est donc dans l'opposition. Alors je voudrais commencer par vous, monsieur le ministre. Le président du Gabon, Ali Bongo, a parlé d'un modèle gabonais d'ici 2025. Alors c'est un projet ambitieux. Le Gabon profite d'une rente, depuis déjà une rente pétrolière depuis plus de 40 ans. Alors comment allez-vous parvenir à faire en sorte qu'il y ait un modèle du Gabon, et est-ce que ça sera un modèle pour les autres pays africains? Oui, merci. Je pense que chacun essaie de construire un modèle en fonction de ses spécificités. Dans le cas du Gabon, nous avons des objectifs spécifiques. Nous voulons une croissance qui soit verte et qui soit inclusive, c'est-à-dire une croissance qui préserve l'environnement, mais qui associe toutes les couches de la société, depuis la production jusqu'au partage des revenus. Et donc, pour atteindre ces objectifs, on a besoin d'un chemin particulier, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse donner un exemple en Afrique de pays qui ait eu une croissance inclusive et une croissance verte. Et pour ce faire, comme vous l'avez entendu hier, nous avons beaucoup de réformes en perspective. Plusieurs réformes ont été présentées hier. Je voudrais aujourd'hui parler quand même de la réforme budgétaire, parce que vous avez dit tout à l'heure que nous avons eu une rente pétrolière pendant plusieurs années, et je suppose que vous vouliez demander pourquoi jusque-là
on n'a pas des infrastructures plus développées, pourquoi on n'a pas un EDH plus important? C'est votre objectif aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Donc, jusque par le passé, la gestion budgétaire n'a pas été conforme aux attentes. Il y a eu quelques déperditions, il y a eu un manque d'efficacité de la dépense. Et donc, parmi les réformes entreprises, il y a une réforme importante sur la gestion budgétaire. Donc, le cadre institutionnel a été complètement refondu. Il y a une nouvelle loi qui est la loi organique sur, la loi de finance, sur les lois de finances et l'exécution du budget, qui impose donc davantage de transparence au gouvernement, davantage de responsabilités, davantage d'informations à donner au Parlement, et nous espérons donc davantage d'efficacité de la dépense et même d'effectivité, parce que par le passé, il arrivait même que des crédits soient inscrits et ne soient pas exécutés. Donc il y avait même, en plus de l'efficacité, un problème d'effectivité de la dépense. Et donc c'est sur cette base que nous espérons pouvoir mettre en place un cadre de développement du secteur privé avec beaucoup d'investissements dans les infrastructures et les infrastructures routières, énergétiques et même des communications. Et tout ceci dans un cadre de développement propre. Par exemple, les investissements énergétiques devront se faire dans le cadre des énergies propres, notamment par des barrages hydroélectriques. Donc, nous avons un chemin spécifique qui n'est pas comparable. C'est ce chemin spécifique qui amènerait un modèle gabonais ? Oui, oui, il y aura un modèle gabonais qui est spécifique et je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse donner un exemple de pays africain qui ait eu, disons, qui ait pu atteindre les objectifs que nous nous fixons. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'Afrique du Sud. C'est vrai que l'Afrique du Sud a eu des résultats économiques enviables, mais le chemin parcouru, le chemin suivi pour avoir ces résultats n'est pas du tout un modèle. Et pourquoi ? Ben, nous connaissons tous l'histoire de l'Afrique du Sud et nous savons que cette croissance n'a pas été inclusive. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle n'a pas associé de la même façon toutes les couches de la société. D'accord, donc elle n'est donc pas ça ne peut pas modèle. Être un modèle à suivre, à mon avis. Les résultats sont là, ils sont palpables, mais personnellement, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Afrique du Sud soit un modèle à suivre pour les autres pays africains. Oui, Bibour, vous êtes... Vous dirigez une fondation au Nigeria, vous connaissez bien le Nigeria, donc vous connaissez bien cette problématique justement de la rente pétrolière d'un pays, à quel point elle peut être à la fois une bénédiction mais aussi une malédiction, puisque eh bien, les pays finalement à rente pétrolière souvent n'investissent pas pendant très longtemps. Est-ce que le Nigeria pourrait être un modèle et comment réagissez-vous à ce que vient de dire Monsieur le ministre du Gabon? Est-ce que le Gabon pour vous ça pourrait être effectivement un modèle? Absolutely, I think Gabon could become a model. It sounds like the plan is spot on. I think what we need to hear more of, though, is what the private sector's role is going to be. I think too often in Africa, the public sector, even when it puts the right structures in place and the right policies and so on, the private sector doesn't necessarily respond the right way. As a foundation, we actually focus on private sector competitiveness in Africa and on empowering entrepreneurs to build great businesses across the continent. The problem is that the majority of businesses in Africa, they focus simply on import and export. They don't add any value, or they focus on executing government contracts. And if you have a private sector like that, no matter what the government puts in place, it's very hard for those kinds of goals to be accomplished. The government has to put the right structures in place, make investments when they absolutely need to, and then get out, and then let a responsible private sector take it from there. Et tout le problème réside dans les choix des investissements que le gouvernement va faire, n'est-ce pas? En anglais? What choices actually the government needs to make in order to create growth? Is that key? Yes, absolutely. So let me give you an example now for Nigeria and how Nigeria is trying to move away from the oil focus. You know, often it's called a resource curse, which I think is just lazy. It's people use it, I mean, governments use that as an excuse to justify all sorts of, you know, long-term incompetence, I suppose. But in Nigeria, there is a really, really strong push now to make agriculture a bigger contributor to the overall economy and exports and so on than oil. And obviously, that's going to take a very long time, but it's an ongoing, the current agricultural minister is putting in place many reforms to turn things around so that agriculture can really take off in Nigeria. An example of how dysfunctional it is right now
is that Nigeria is one of the world's largest importers of tomato paste. They're the largest importer of tomato paste from China and Italy, for example. They import about 300,000 tons of tomato paste every year. At the same time, in southern Kano, in northern Nigeria, at the hotbed of Boko Haram, where people need jobs and economic growth, there's about 300,000 tons of tomatoes that rot every year because they never make it to market and because no one has actually put a tomato processing factory there. So a simple solution would be to put a factory there and start processing that and end the concentrate imports. But it's easier said than done because the people importing the concentrate are making a ton of money doing it and are using those profits to benefit them and keep that system in place. So even these sorts of policies that the Minister of Agriculture is trying to put in place, he's facing substantial public fights from the private sector claiming to, you know, represent Nigerian consumers and so on. But those are investors who are thinking short-term and are not looking long-term. And what needs to happen with the private sector in Africa is there needs to be a move from that sort of short-termism to long-term, to creating value domestically, and to really, you know, building businesses that will not just, you know, bring quick profits, but will have long-term job creation, et cetera. Because right now, Africa's economic growth is not creating jobs, and that's why you still have significant social problems with the fast-growing population and so on. Donc il faudrait privilégier le long terme. Salah Eddine Mezwar, on dit que vous êtes un technocrate moderniste depuis que les islamistes sont rentrés au Parlement au Maroc. Est-ce qu'il y a un modèle marocain qui pourrait s'appliquer aux autres pays d'Afrique? Et si oui, est-ce qu'aujourd'hui il serait remis en cause par la nouvelle majorité qui, eux, parle plutôt d'un modèle turc pour compliquer les choses? Bien, alors avant de répondre à votre question, je voudrais apporter quelques remarques. La première, c'est que, avant de parler de modèle, il faut parler de vision. Ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, c'est d'abord une vision de développement par rapport à une problématique qui est similaire à beaucoup de pays africains où il y a une rente pétrolière. Problématique de diversification, des sources de croissance. Et comment faire pour que les ressources du pays continuent à se développer et qu'elle ne soit pas en fonction des cours des matières premières. Grand problème des pays basés sur la rente, c'est qu'avec les fluctuations des matières premières et des cours des matières premières, on s'habitue à un niveau de dépense et à un niveau de vie qui forcément ne peut pas être assuré quand les cours sont bas. Donc aujourd'hui, au Gabon, comme dans d'autres pays d'ailleurs, il y a une vision, parler de modèle, c'est à l'épreuve des faits. C'est l'épreuve des faits qui démontrera que le modèle fonctionne ou ne fonctionne pas. Mais il est fondamental qu'il y ait une vision, qu'il y ait des choix. Le Gabon a fait des choix. Et c'est des choix de développement stratégique du pays par rapport à ses propres ressources, par rapport à ses propres contraintes, mais aussi par rapport à des évolutions que le continent est en train de vivre et le monde est en train de vivre. Au Maroc, on était confronté à la même problématique. Dans le tournant du siècle, le Maroc avait des indicateurs de développement qui étaient en retard. Il avait un niveau de croissance qui était faible, autour de 3%. C'est un pays où il n'y a pas de ressources naturelles, donc il n'y a pas de rente. Le seul moyen qu'il a, c'est de créer les conditions de croissance et de diversifier la croissance et d'agir sur les éléments qui constituent véritablement un avantage comparatif. C'est quoi l'avantage du Maroc? C'est deux choses. C'est sa position géographique. Le Maroc est à 14 km du plus grand marché de consommation au monde, qui est l'Europe. Il est à la porte de l'Afrique, continent d'avenir, pays africain intégré. Il est à la porte également du monde arabe. Et donc, tous ces marchés-là, tout cet espace-là, est un avantage pour le Maroc. Mais dans un monde globalisé, dans les économies globalisées, la position géographique ne veut absolument rien dire. C'est un avantage quand c'est transformé en avantage logistique, en positionnement logistique. Ça, c'est un élément fondamental qui a structuré notre démarche. Deuxième dimension, c'est quoi la ressource importante du Maroc? C'est ses ressources humaines, population jeune. Donc la dimension éducation et information était au cœur de l'accompagnement stratégique de la mutation du pays. Nous avons beaucoup investi en infrastructures.
Parce que, dès le départ, notre vision était de faire du Maroc un hub industriel et d'exportation, donc d'investissement, tourné vers les marchés extérieurs. Parce qu'en définitive, la problématique de tous les pays africains, c'est quoi? C'est d'aller chercher des devises. Il faut aller chercher les moyens pour accélérer les conditions de croissance. Et donc, nous sommes allés vers cette stratégie de positionnement du Maroc en tant que hub. Hub au sens large du terme. D'abord, industriel et commercial. C'est ce qui a permis d'aller vers des stratégies industrielles, la stratégie émergence, dont j'étais à l'origine, quand j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce, était orientée vers cette ambition-là. Diversifier, créer les métiers mondiaux du Maroc autour de secteurs qui nous permettent effectivement d'avoir un avantage comparatif et compétitif. C'est également Tangemet, qui est devenu l'un des principaux ports de la région de transbordement de la région méditerranéenne. C'est les zones logistiques, c'est les plateformes logistiques, c'est les zones industrielles et tournées vers l'exportation. Donc, stratégie tournée vers l'exportation avec un avantage de positionnement, de proximité du pays par rapport à des marchés. Deuxième dimension, c'est faire de sorte que la croissance soit une croissance orientée dans un sens équilibré entre l'exportation et le marché domestique. Nous sommes un pays agricole à tradition agricole. Et nous avons développé un savoir-faire extrêmement important, exportable. Donc nous avons mis en place une stratégie agricole qui est tournée vers des logiques de filière orientées export, mais également vers une logique orientée vers une meilleure redistribution ou distribution de produits agricoles au niveau de notre pays. La sécurité alimentaire derrière était pour quelque chose. Troisième dimension, c'est tout ce qui est en relation avec l'énergie. Nous sommes un pays à 95% dépendant des importations, donc il fallait une stratégie de diversification axée sur nos ressources naturelles, le solaire et l'éolien. 40% de la production, ou disons 40% de la production va être une production à l'horizon 2020, basé sur les énergies renouvelables. Donc, investissement massif dans les énergies renouvelables, également investissement massif dans les ressources humaines, parce que sans éducation, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, c'est valable pour toute l'Afrique et pour tous les pays. Sans éducation, à même d'accompagner ces mutations structurelles que le continent et les pays sont en train de vivre, on ne peut pas aller loin. Donc, c'est un élément fondamental dans les choix. Nous avons également mis en place, dans le cadre des services, un hub financier qui est Casablanca Finance City, dont le directeur général va parler certainement dans un des panels, mais nous avons une vision et nous la traduisons en stratégie. C'est ça ce qui est important quand on veut parler de modèle. Mais parler de modèle, c'est à la preuve des faits. Il faut que ça marche. Au Maroc, ça marche pourquoi? Ça marche parce que nous avons changé de palier. Nous avons changé de palier de croissance, on était à 3%, on est à 5%, en pleine crise financière et économique mondiale, nous avons maintenu le rythme de croissance. Nous avons préservé nos fondamentaux économiques et nous avons fait de sorte que le Maroc continue à s'ouvrir sur le monde. Accord de libre-échange, États-Unis, Europe, Canada aujourd'hui, les pays du Mercosur demain, les pays d'Asie. Donc, le Maroc est dans une stratégie, dans une vision pour construire véritablement son modèle. Et vous dites, pour devenir un modèle, il faut effectivement le mettre à l'épreuve des faits. Jean-Pierre Léman, c'est intéressant parce que vous rentrez de Hong Kong, vous êtes spécialiste de l'Asie. On a beaucoup parlé des modèles asiatiques, du modèle chinois, du modèle des dragons asiatiques. Est-ce que, justement, ils sont considérés comme des modèles et est-ce qu'on pourrait en tirer des leçons pour les pays africains, puisqu'a priori, ces modèles-là ont fait leurs preuves? Écoutez, la première leçon, c'est qu'il faut assurer non seulement la croissance, mais la croissance à long terme, qui dure. Parce qu'il y a un tas d'exemples à travers l'histoire de pays. Là, vous êtes tous d'accord sur le long terme, chacun. Non, mais c'est essentiel, et c'est sur cela qu'il faut focaliser. La Commission des Nations Unies pour la croissance et le développement ont fait une recherche pour se poser la question, combien de pays ont réussi à obtenir une croissance annuelle
de 5-7%, je crois, pour une période de 30 ans. Et sur les 200 pays du monde, il y en a 13. Et sur ces 13, il y a un Africain, qui est le Botswana, et il y a 8 Asiatiques. Et alors, la Commission a posé des questions en disant, bon, ce sont des sociétés très différentes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et je dirais qu'ils soulignent 4 éléments. D'abord, les pays qui ont eu une croissance à long terme, qui ont bien réussi, ont une technocratie compétente. Et ça, c'est beaucoup plus important que le système de gouvernement. C'est d'avoir vraiment des gens qui dirigent. Moi, je connais très bien, par exemple, la Corée. C'est très impressionnant de voir les Coréens qui, en les années 60, 62, 63, étaient là pour aviser le gouvernement sur les politiques de développement. Ils avaient des PhD des États-Unis, enfin, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une stabilité macroéconomique, bien entendu, donc pas d'inflation, et puis de pouvoir assurer l'épargne. Le troisième élément, c'est une politique d'ouverture. Et par l'ouverture, ce n'est pas simplement une ouverture dans le sens commercial, mais intellectuel, d'apprendre. De nouveau, je vois par exemple un pays comme la Corée était un pays protectionniste au niveau du commerce, mais au niveau de l'intellectuel, extrêmement ouvert, voulant apprendre, apprendre, apprendre. Et donc, je dirais que c'est dans ce contexte-là que tout pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, devrait regarder les modèles, non pas pour dire, bon, on peut les appliquer complètement ceci, mais quels ont été les éléments clés de leur réussite. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Dernier élément, puisqu'on a parlé du rôle du gouvernement et du secteur privé, moi, je vois, par exemple, des pays comme Corée, Taïwan, qui n'est pas un pays, mais enfin, et même aujourd'hui la Chine, le rôle fondamental que joue le gouvernement, c'est de donner au secteur privé de l'information. Ce n'est pas des subventions. Bon, il y a des subventions, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est d'aider les entreprises à comprendre ce qui est en train de se passer dans les marchés. Tout à l'heure, je parlerai un petit peu des chaînes d'approvisionnement global qui se passe en Asie. Et ça, c'est un rôle que les gouvernements doivent pouvoir faire pour le secteur privé. C'est-à-dire, voilà où sont les opportunités. Maintenant, à vous de vous démêler. Mais pas c'est fondamental, c'est l'information. Ça va avec la transparence, avec la bonne gouvernance. Jean Chrétien, vous avez été Premier ministre au Canada pendant plus de 10 ans. Vous êtes un vrai réformiste. Est-ce qu'il y a un modèle canadien ou est-ce qu'en tout cas il y a un certain nombre d'expériences au Canada que l'on pourrait utiliser en Afrique? Eh bien, l'Afrique ressemble beaucoup au Canada, peut-être le Canada d'il y a 50 ans. Nous sommes un pays qui était basé strictement sur les ressources. Nous avons énormément de ressources, nous en avons encore. Mais nous avons aussi pu développer un pays qui est devenu très industrialisé et qui avait des défis qui ressemblent beaucoup à ceux de l'Afrique. L'espace, par exemple. Quand on va de l'est du Canada à l'ouest du Canada, c'est plus loin que d'aller de l'est du Canada à Londres. On a 5,5 zones de fuseaux horaires. Alors, c'est un vaste pays. Et comment développer le pays d'une façon assez équilibrée? Et nous avons réussi. Ce qui est important, pour vous donner un exemple, par exemple, la partie est du Canada avait un revenu, la moitié du revenu de la province de l'Ontario, les provinces maritimes de l'est du Canada. Et on avait un programme d'infrastructure et d'aide au développement régional. Et sur une longue période de temps, le revenu per capita des gens de l'est égale presque maintenant le niveau des gens de l'Ontario. Alors le pays était bien équilibré, mais il a fallu leur donner les routes, les institutions pour entraîner la main-d'œuvre, pour qu'ils ne soient pas strictement dépendants de la pêche, par exemple, et de la forêt. Quelle était la recette, Jean Chrétien? Il y a eu des subventions publiques pour ces régions en particulier qui étaient moins développées que les autres, ou au contraire des investisseurs privés? C'est le gouvernement qui a financé le développement des infrastructures pour permettre, évidemment c'est des entrepreneurs privés qui les ont exécutés, mais c'est le gouvernement qui a financé ces programmes-là qui ont permis le développement économique. Ici, on vient en Afrique, ce qu'on remarque, c'est que le potentiel est fantastique, mais il n'y a pas d'infrastructure. J'ai parlé à quelqu'un hier qui est un expert en agriculture et il m'informait que ici au Gabon, on importe les fruits et les légumes d'un pays voisin, alors qu'on peut semer à peu près n'importe quoi, n'importe où, et avoir du succès. Pourquoi? Parce que le territoire n'est pas développé, les gens ne peuvent pas amener leurs produits au marché.
Alors l'infrastructure doit venir à un moment donné, sinon il n'y aura pas de l'expansion. Et c'est pourquoi on voit une concentration des populations dans les grandes villes en Afrique, qui sont ingérables maintenant parce que les gens viennent là, puisque leurs territoires ne sont pas développés ou les produits qu'ils peuvent manufacturer ne peuvent pas aller au marché. Évidemment, il faut une bonne structure administrative aussi. Il faut, comme le disait celui qui m'a précédé, la qualité de la bureaucratie est très importante. Il faut qu'on ait des gens dévoués et des gens qui sont bien entraînés. Et il faut aussi avoir de l'intégrité et de l'honnêteté dans l'opération. Un des problèmes qui existe, c'est lorsqu'on n'a pas confiance, on n'investit pas. Il n'y a rien de plus nerveux qu'un million de dollars. Ça déménage aujourd'hui en quelques secondes. Alors, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils disparaissent. Alors, il faut avoir, créer la satisfaction pour celui qui vient, qu'est-ce qu'il investit, il pourra le retirer, faire des profits. Un autre problème que je vois aussi, c'est qu'il y a trop de barrières. Les gens qui circulent en Afrique passent des heures et des heures à faire vérifier leur camion ou leurs produits. Et ça, c'est très pratique. Voulez-vous, si vous passez le tiers de votre temps à attendre que quelqu'un vous donne un permis pour passer, c'est très mauvais pour la productivité. En tout cas, vous dites qu'il faut des infrastructures, il faut un État fort. Monsieur le ministre du Gabon, est-ce que, par exemple, vous pourriez utiliser quelques exemples? Par exemple, au Maroc, il développe beaucoup le tourisme. Ça faisait partie du modèle marocain. Est-ce qu'au Gabon, vous avez 13 parcs nationaux? Est-ce que ça ferait partie d'une stratégie, de modèle pour vous que de développer le tourisme, par exemple, au Gabon? Bon, effectivement, le tourisme fait partie des secteurs que nous avons l'intention de développer parce que nous avons des atouts dans ce domaine. Mais il existe encore quelques goulots d'étranglement en termes de transport, en termes d'entrée dans le territoire. Et ces goulots d'étranglement sont en train d'être résolus. Donc nous pensons que dans les années à venir, nous allons avoir davantage de résultats dans ce secteur. Mais il faut noter que par rapport au Maroc, comme disait notre collègue marocain, est peut-être plus près que le Gabon des zones de personnes qui disposent de revenus élevés pour faire du tourisme. Ils ont probablement un petit avantage à ce niveau-là, mais nous avons l'intention de nous battre pour augmenter le nombre de touristes au Gabon. Parce que nous avons aussi des avantages comparatifs en termes de parcs nationaux, par exemple. Comment est-ce que vous expliquez que les relations économiques entre les différents pays d'Afrique soient finalement si sommaires? Elles sont très faibles, il y en a très peu. Et ça, finalement, ça limite les marchés des différents pays africains et ça limite même l'idée de modèle africain. Alors, c'est vrai que les Chinois, maintenant, sont de plus en plus présents au Gabon. Il y a un développement des pays du Sud qui viennent investir. Mais comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas plus de liens avec d'autres pays d'Afrique, le Maroc ou les pays voisins, tout simplement? Bon, il y a beaucoup d'explications par rapport aux pays voisins. C'est que déjà, au départ, on produisait presque la même chose. Alors, lorsqu'on produit la même chose, il est difficile d'exporter vers le voisin. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que les voies de communication ne facilitent pas du tout les échanges. Pour aller du Gabon au Congo, par exemple, moi, je suis de la frontière Gabon-Congo, mais ce n'est pas du tout facile. Il n'y a pas de route praticable en toute saison pour aller de chez moi à la ville voisine. Donc il est difficile d'exporter ou d'importer dans ces conditions. Mais nous avons tous en tête de développer les infrastructures. C'est pour ça que tout le monde met l'accent sur les infrastructures pour pouvoir accroître le commerce intra-régional. Ça doit être quelque chose de commun. C'est vrai que le Maroc, par exemple, développe très peu de relations avec ses voisins pour des raisons politiques, alors que s'il y avait une union peut-être du Maghreb, ça encouragerait peut-être un modèle qui soit même plus seulement le modèle marocain ou un modèle d'un pays, mais un modèle plus panafricain. Pourquoi, Saïdine Mézouar, ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas pour des raisons bassement politiques. Naturellement, pour un conflit qui dure depuis 1975 entre l'Algérie et le Maroc. Mais je voudrais revenir sur le fait que le Maroc effectivement, et dans une logique de développer des partenariats stratégiques et d'investissement
également avec l'Afrique. Hein. De grands groupes marocains aujourd'hui existent en Afrique. La banque, les télécoms, l'industrie, l'immobilier, les cimenteries. Donc il y a véritablement un courant aujourd'hui qui se développe du Maroc vers l'Afrique et qui confirme également, disons, ce qui constitue la vision et l'ambition marocaine, l'intégration africaine. Il est moins développé, par exemple, que les relations avec, du Maroc avec les pays d'Europe qui est, non, l'Europe est un marché pour le Maroc, donc en termes d'échange, l'investissement est beaucoup plus dans l'autre sens que dans le sens Maroc-Europe. Aujourd'hui, l'investissement marocain est orienté beaucoup plus effectivement vers l'Afrique, avec laquelle nous sommes dans une logique de partenariat stratégique, même chose qu'avec l'Europe, mais notre ambition est d'aller vers un renforcement du courant d'affaires et d'échanges avec les continents africains et avec les pays africains. La chose existe également avec le Gabon, hein, avec lequel nous avons des relations politiques exceptionnelles et d'amitié également. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique de structuration. Il y a un changement en Afrique qui est en train de s'opérer aujourd'hui et qui fait que les raisons qui faisaient que les Africains ne se regardaient pas deviennent aujourd'hui des raisons pour qu'ils se regardent. On parle beaucoup de l'intégration, de l'échange, etc. L'Afrique n'a pas d'autre choix que de le faire. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait des courants d'affaires qui se fassent. Il faut qu'il y ait de l'investissement. Il faut qu'il y ait de l'investissement, donc il faut de la bonne gouvernance, de la transparence. Écoutez, on parle beaucoup de bonne gouvernance et de transparence. Soyons pragmatiques. Il y a une nouvelle génération en Afrique qui est en train de métamorphoser l'Afrique. Une nouvelle génération politique, des élites économiques et une technocratie qui n'a rien à envier à beaucoup de pays. Jean-Pierre Léman, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire C'est ça ce qui est en train d'opérer le changement en Afrique et c'est ça ce qui est en train d'amener l'efficacité en Afrique. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Écoutez, c'est une question d'évolution. Je reviens sur le modèle asiatique. Si on regarde les années 60, où j'ai passé beaucoup de temps dans cette région, personne ne pensait que ça allait devenir une zone de développement et de croissance. Il y avait la guerre au Vietnam, la révolution culturelle en Chine, les insurrections en Malaisie, etc., etc., etc. Et non seulement ils ne se parlaient pas, ils se battaient. Et puis il y a eu un moment, il y a eu une transformation. Je me souviens, il y a un ministre thaïlandais, dans les années vers 63-64, qui a dit « Let's transform this region from a battlefield to a marketplace ». Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, à peu près, le commerce de la région est à peu près à 60% intra-régional. Et ça s'est développé et ça a été un facteur certainement de succès. Moi, je dirais que pour l'Afrique... Dans des pays qui ne sont pas forcément un exemple de très bonne gouvernance non plus, d'ailleurs. Pardon ? Dans des pays qui ne sont pas forcément... Oui, mais si vous voulez, il y a une évolution. Il y a une évolution, la gouvernance s'est considérablement améliorée. Parce que, de nouveau, finalement, tout, c'est des choix. C'est des choix. On peut très bien décider de rester un continent où il y aura 55 petits marchés indépendants, autonomes, etc. C'est un choix. Ou alors on se dit, pour assurer pour les prochaines générations les milliards qu'on va avoir sur le continent, on va ouvrir le continent, développer de l'échelle, trouver des moyens de travailler ensemble et attirer les investissements. Un investisseur qui vient au Gabon qui dit 1,5 million d'habitants, ce n'est pas très intéressant. Quand on dit oui, le continent africain, la démographie, etc., mais cette démographie est fragmentée. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de choix. L'Afrique doit créer un espace économique plus intégré, qui puisse faire concurrence. C'est le monde du 21e siècle, comme disait le monsieur le ministre, c'est le monde de la globalisation. Alors, le choix de l'Afrique, c'est soit de participer à la globalisation ou de rester marginal. Jean Chrétien, vous êtes d'accord avec ça ? Nous avons, au Canada, par exemple, réussi à faire un marché commun avec les États-Unis et le Mexique. Lorsqu'on a voulu le faire, il y a eu beaucoup de craintes de la part des industriels de chacun de ces pays-là. Et aujourd'hui, les trois pays en ont profité considérablement. Je crois, moi, ici, en Afrique, quand ils pourront intégrer leur économie, s'il y a moins de barrières de tout genre, ils peuvent profiter énormément. Quelqu'un disait tantôt, et malgré la récession, la croissance de la demande continue à être très, très bonne. Ce qui veut dire que vous savez, on parle en Chine, les exportations de la Chine, mais la croissance de la Chine est plus importante à l'intérieur de la Chine qu'elle l'est en fonction de leurs exportations.
parce que la demande et les infrastructures qu'ils ont vont continuer encore pendant 50 ans. Et la crise internationale ne semble pas avoir affecté énormément leur niveau de croissance, parce que presque 80% de la croissance ne vient pas de l'importation, vient de l'intérieur. Et c'est la même chose ici. Lorsqu'on aura bâti les infrastructures, que les biens et les services pourront circuler facilement à l'intérieur de l'Afrique. La clé, c'est de plus intégrer ces différents pays, de toute façon, économiquement, pour faire de la croissance. C'est ça, mais aussi, physiquement aussi, ça prend des infrastructures. C'est ce que je disais tantôt. Le ministre gabonais a dit qu'ils ne peuvent pas circuler ici même, donc, partie de la. En Afrique, ça reste quand même des très saisons compliqué, complètes. N'est-ce pas, Wibi Bour, aujourd'hui, d'intégrer plus oui. L'économie. It's still hard to integrate more African economies yes. Together. And I mean, I think many obstacles. Right, it's been mentioned here, but one of the reasons, for example, African countries don't trade with each other is there's nothing really to trade. As the minister said, if all the countries are growing the same thing, what are they going to trade with each other? Until Africa moves beyond just producing raw materials and actually processes them and adds value, there isn't a lot. For example, what is Nigeria going to sell to Ghana? Crude oil? And Ghana can't even, maybe doesn't have then the capacity even to refine it. So I think before we can... The key word is diversification. Exactly, diversification of the economies. The other thing I think that's also important in this is not just about trade, it's also about talent. One of the major problems facing the growth of the private sector and the economies in Africa generally is not necessarily financial capital, it's human capital. And so, you know, not only when you have, 54 countries, many of them are very small, you need to find ways for them to trade with each other with products, but you also need to find ways that people can easily move across borders and you can recruit from one country. Because one of the huge costs of doing business in Africa is management, because you often have to import expatriates from outside the continent and so on. And so if, for example, it was a lot easier for, Nigeria to get talent from Kenya or Kenya to get talent from Tanzania or, whatever, some of those costs could be reduced. And I think Rwanda actually has a model for that, where Rwanda's major problem is not that they're landlocked. It's not that they're recovering from a devastating crisis in the 90s, but it's that they just don't have a high literacy rate. They don't have a lot of domestic management talent, and so they've just said, okay, we just need to get it from wherever, and it's a lot cheaper to get it from Kenya than to bring it in from Europe. C'est l'humain qui fait la différence, c'est ce que vous voulez dire. On va bientôt passer aux questions, mais juste avant, je voudrais faire un tour de table très rapide. Est-ce que vous avez chacun une proposition, Richard Attias y tient, une proposition justement pour un modèle gagnant en Afrique, monsieur le ministre, très rapidement? Bon, tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'un modèle... On parle de modèle seulement lorsqu'on a les résultats. Moi, je dirais non. Un modèle, c'est aussi une maquette. Le terme modèle s'utilise aussi bien dans un cas que dans l'autre. Lorsque vous allez chez un couturier, par exemple, on vous présente le modèle avant que vous ayez votre robe. Alors, ceci étant, je dirais que le modèle gabonais nous paraît un modèle crédible. Même en termes de résultats, nous avons commencé à avoir des résultats. Vous prenez le secteur forestier, par exemple. Lorsque le président a décidé de ne plus exporter du bois en grume, tout de suite, nous avons vu des investisseurs s'intéresser à la transformation du bois. Donc, il y a déjà des résultats concrets sur le terrain. Et nous pensons que ce modèle qui vise une croissance verte et une croissance inclusive devrait pouvoir servir de modèle. Croissance inclusive, ça c'est inclusive. Votre mot-clé, Saïdine Mézoir. Pour vous, en une phrase, le modèle africain gagnant. Pour être sympathique avec mon... collègue gabonais, je dirais que le modèle sert à prioriser les réformes. L'intérêt d'un modèle, c'est qu'il aide à prioriser les réformes, à faire parler le même langage. Il y a différents acteurs au niveau d'un pays. Le pire pour un investisseur, c'est de venir dans chaque institution et trouver chacun parler un langage différent ou contradictoire. Ça a le mérite de créer cette dynamique et d'orienter les énergies vers le même objectif. Quand j'ai parlé de la preuve des faits, c'est parce que parler de modèle, quand on dit modèle, il est transposable. Pour qu'il soit transposable, il faut que les faits démontrent qu'il est en train de réussir. Je n'ai strictement aucun doute
sur le fait que le modèle ou la vision gabonaise ou le projet gabonais ou le modèle gabonais est un modèle qui va réussir. Et j'en suis certain parce qu'ils se sont donné les moyens, il y a une détermination, il y a un engagement de l'État qui devient un État stratège pour accompagner cette évolution et cette transformation du Gabon. État stratège, Jean-Pierre Léman, en un mot, le modèle africain gagnant? Le modèle africain gagnant, the winning African model, has to be integrated in the winning global model and what's happening globally. And again, I want to emphasize that the world's not standing still. Technologies are fundamentally changing the whole global system of production, totally. You no longer manufacture a particular product, you manufacture a part of it or a service of it. And the companies that are going to win are those that are going to be able to integrate into global supply chains. What you're seeing, for example, in China today, which has been the factory of the world, is that because of labor costs and demographics, more and more jobs are migrating to other parts of the world. And they should be coming to Africa. African companies should try to get into that particular model. So I say, you cannot be navel-gazing. The African model, whatever it is, has to fit in with what are the global trends, the global dynamics. And this is where I come back to the fundamental important points of information. Universities in Africa should have research departments on global supply chains, how they function, how you can be part of it, etc. And this is plus global et plus intégré. It's plus global et plus intégré et c'est plus inclusif. Pour revenir exactement, il n'y a pas besoin maintenant de méga usines et trucs comme ça. Il faut une spécialisation. Mais c'est là aussi où, bien entendu, comme disait mon collègue, le capital humain est fondamental. Capital humain, Jean Chrétien, vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense qu'on devrait regarder la structure politique de l'Afrique. Tous ces pays morcelés les uns aux côtés des autres ne devraient peut-être revisiter la possibilité de se fédérer de telle façon à ce que certains services soient intégrés pour 6, 7 ou 8 pays. Ça fonctionne. Donc, plus d'intégration également. C'est ça qu'on a au Canada. Si on a un pays qui a 6 000 milles de distance d'un pays à l'autre et de coin à l'autre, et puis on réussit à avoir une gouvernance centrale qui simplifie les choses qui sont morcelées ici en Afrique. Alors, il y a eu des efforts faits dans ce sens-là il y a bien des années, mais on n'en parle pas du tout maintenant. C'est dommage, parce que s'il y avait une meilleure intégration politique, l'intégration économique suivrait. Oui, Bibo, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes à la tête d'une fondation panafricaine, justement. C'est plus d'intégration, c'est ça la clé du modèle africain aujourd'hui? En anglais? Oh, sorry. The key for the model is it more integration. The CEO of a foundation, which is a pan-African foundation, so I'm sure that you agree with Jean Chrétien. Absolutely, yes, integration is important. But I think it needs to be a model that is private sector led and public sector supported. And I think Africa actually has an opportunity now, just as Africa has leapfrogged technology and so on with mobile, with communications, with mobile payments and so on, Africa could actually leapfrog and avoid some of the pitfalls of the capitalist system that we've seen in that's going on in Europe and so on right now, and the issues that we're seeing with that, and put in place a system that drives long-term investments, that takes social and environmental impact into account. It's sort of along the lines of the Gabon model. But to really put that into play, we could actually create a new form of capitalism in Africa that would benefit people and create wealth for generations to come. Merci beaucoup. J'aimerais faire réagir la salle. Est-ce que vous avez des questions? On a quelques questions via SMS, mais c'est vrai que si on avait des questions directement de la salle, en français, en anglais, en chinois, comme vous souhaitez. Monsieur, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors, je suis Mathieu Mandek, je travaille pour Standard Chartered Bank. Compte tenu de l'importance du secteur informel en Afrique, dans certains pays, on parle de 90% de l'emploi qui vient du secteur informel. Quel modèle vos panélistes proposent pour faire face à cette notion d'informel? Ne pensez-vous pas précisément que compte tenu de cette réalité, on devrait même déjà changer la vision qu'on a ou alors la considération qu'on a de ce secteur informel pour commencer à parler d'économie de proximité? Ça changerait peut-être même déjà l'image de cette notion-là en Afrique. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par secteur informel? Le secteur informel, c'est-à-dire que le secteur qui échappe aux mécanismes modernes d'appréhension de la richesse, tel qu'en macroéconomie, tel qu'on l'étudie en macroéconomie.
qui ils comprennent bien la notion de secteur informel, informal sector. Informal sector. Do you want to answer the question? Maybe would be Boer. Sure. Okay. Yeah, that's one that's often brought up when you're talking about private sector development in Africa, is that the majority of the sort of private sector is actually informal and is not really on the official radar. The problem, though, is that the informal sector is very, because of its informality, is very difficult for it to scale. So they're just, it's a very difficult question. I don't necessarily have an answer, but I just think we need to, not romanticize about that, oh, the informal sector is going to be a driver of long-term growth and so on. I think we need to find ways that the informal sector can somewhat be formalized and can be scaled. And so it can also be a driver of growth. It can also, be a driver of tax revenue that the government can then use to drive further growth. And so I really think if we continue with economies that are split and dichotomized so much, long-term growth will be very difficult to achieve. And really creating the kind of wealth that needs to be created to bring the millions of people out of poverty in this continent, with an economy that's focused on, that has so much in the informal sector, that would be very difficult to accomplish. Céline Mézoir, vous voulez réagir? Juste rapidement pour dire que pour faire reculer l'informel, il faut faire avancer le formel. Et le formel n'avance qu'à travers un certain nombre de dispositifs, dont les stratégies et les modèles dont on parle. Il est fondamental d'avoir des stratégies dans lesquelles l'État s'implique. En quoi c'est important de dire « je veux développer tel et tel secteur » C'est parce que derrière, l'État est un impulseur de cette dynamique. Deuxième élément, on ne peut pas le faire sans faire des réformes au niveau de la fiscalité et au niveau des conditions de création d'entreprises. C'est ce que nous avons fait au Maroc. Nous avons fait une très grande avancée dans l'implication et le rôle de l'entreprise privée et particulièrement de la petite entreprise qui, elle, doit nécessairement être intégrée dans le dispositif. Nous avons défiscalisé, nous avons baissé la pression fiscale, nous avons fait énormément de choses pour pouvoir faire de sorte que, progressivement, il y ait une intégration du tissu informel qui est très riche, très créateur de richesses, stabilisateur social, pour qu'il soit intégré également dans le secteur formel. Il n'y a pas de mutation et de transformation rapide. Il y a un processus. Le plus important, c'est de marquer le cap et de mesurer à chaque fois, à travers des petites réformes ou de grandes réformes, pour que cette intégration puisse se faire dans le temps. Une autre question, Madame? Esther Dyson, probably for Jean-Pierre Lemont, to follow up on the informal sector. One reason you need a formal sector in theory is, goes back to Ronald Coase and the theory of firms. You need somebody to organize and coordinate all the activities. With the rise of cell phones and technology, as you mentioned, I think it may be possible for the informal sector to remain informal, even though it becomes more efficient. Do you think so? Yeah, absolutely. There's a very good book by a guy called Jean-François Richard called High Noon. I don't know if you've read it. It's 20 global problems in 20 years to solve them. It was written about 16 years ago, so we now only have 4 years. But he makes the point that if you look at the last decade or thereabouts, technology has developed exponentially, particularly communications, information technology, your area. Markets and demographics have developed. But institutions and mindsets are still very linear. There's a huge governance gap. Peter Mandelson's going to be speaking to us later on. I mean, part of the problem with the WTO is that it doesn't take account of the fact that production and so on and so forth has dramatically changed. So trade relations have. So the problem with, one of the reasons why you have a lot of the informal sector is that the governance at the formal sector level is not in tune with what's actually taking place. So what you need, first of all, is to definitely improve your governance system, keep it, ahead of the curve, or at least with the curve, rather than have all sorts of constraints which entrepreneurs will go around. And of course, as you point out, it's increasingly easy for them to do so, thanks to all these means of technology. Or they move out. This is the other thing. So I agree. I think the formal sector, what I think would be wrong is for any country to say we're going to suppress the informal sector. What they should be saying is we're going to improve the formal sector to make sure that it is more dynamic and in line with developments that are taking place. At the same time, I agree with the minister that having a bit of an informal sector is a good thing in terms of social stabilization. It's something to sort of fall back on. But ultimately, the point is we've got to have our governance systems synchronous
with the technologies that are developing and helping entrepreneurs rather than suppressing entrepreneurs. Monsieur le ministre, je sais que vous vouliez réagir très vite sur le secteur informel. Donc vous m'avez demandé de vous vouliez réagir. Oui, je voudrais réagir par rapport au secteur informel. Très vite, puisqu'on a d'autres questions. Allez-y. Oui, pour dire que le secteur informel, par définition, c'est celui qui regroupe les entreprises qui ne respectent pas toutes les lois du pays. Donc, à partir de là, l'État doit faire l'effort de faire en sorte que ces entreprises rentrent dans les normes, en essayant de voir pourquoi elles restent en marge des lois. Mais dans tous les cas, les économistes ont des méthodes pour apprécier, pour essayer d'estimer l'importance du secteur informel. Question numéro 4. N'hésitez pas à vous présenter, monsieur. Bonjour. Moi, je suis sénégalais, donc je suis le conseiller spécial du président Macky Sall. Et donc, je suis le directeur chargé donc, de la gestion de la promotion des investissements au Sénégal et des grands travaux. Et je m'appelle Diène Farbassar. Moi, je voulais poser une question fondamentale parce que, bon, même je voulais faire un exposé, mais je n'ai pas le temps. Parce que je voulais reprendre les économies africaines, leurs échecs depuis 1978 à partir des stabilisations à court terme jusqu'à maintenant. Mais le temps ne me le permet pas. Je vais vous poser une question. Et d'emblée, moi, je dis que pour un modèle standard, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de modèle applicable au pays, il n'y a pas de modèle applicable aux économies parce qu'ils n'ont pas les mêmes spécificités. Ce que je dis tout simplement, il faut que les gens comprennent une chose. Nous avons la balance des paiements, qui est un indicateur synthétique de l'activité économique. Et cette balance de paiement est formée de la balance commerciale, de la balance de base et de la balance des transferts. Et quelle est votre question alors, monsieur? Je dis, je vais poser la question. Et donc, il n'y a pas de spécificité, je dis, par rapport aux autres composantes. Par exemple, le modèle peut être processif en Guinée et récessif au Sénégal, simplement parce que le comportement de la balance de base n'est pas très bon. Parce que la balance de base, c'est le réceptacle des investissements nationaux et étrangers. La balance commerciale, c'est les importations et les exportations. La balance des transferts, c'est les transferts unilatéraux, les dons, les legs, les subventions, les revenus des émigrés qui sont canalisés en Afrique dans des Donc, secteurs. Donc, quelle est votre question? Est-ce qu'il y a effectivement un modèle ou pas? Il n'y a pas de modèle. Moi, je dis qu'il n'y a Donc, pas de... Donc, ce n'est pas une question, excusez-moi. C'est un commentaire. La question que je vais poser aux panélistes, c'est celle-là. Par exemple, en Europe, est-ce qu'il y a un modèle en Europe? Les États-Unis ont un État fédéral avec un euro fédéral. En Europe, il y a eu une esquisse de fédération des États, mais l'euro a été fédéré, mais les États ne sont pas fédérés. Alors, il y a eu un TVA et des économies hétérogènes qui ont plongé cette crise européenne. Donc, la question, c'est y a-t-il un modèle en Europe? Non. Éventuellement, il n'y en a pas un modèle en Europe. Donc, je dis qu'il n'y a pas de modèle en Europe, il n'y a pas de modèle en Afrique. Tout dépend des spécificités des pays. Voilà ce que je veux dire. Parce que... Alors, c'était une conclusion. C'est clair. C'était un commentaire. Pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Tout dépend des spécificités des pays. On passe à une question à côté de vous. Comment? Je vois qu'il y a quelqu'un qui vous souhaite poser une question juste à côté de vous. Bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Marie-Aurélie Bianchet. En fait, je voulais poser une question, notamment sur les modèles économiques. Donc, est-ce qu'il y a des modèles économiques? Oui, je suis d'accord avec monsieur. Il y a des spécificités pour les modèles économiques africains et ils doivent absolument s'en saisir. Et que fait-on? Moi, je pose une question aux panélistes. Que faites-vous de toutes ces diasporas ou des étudiants qui sont formés aux États-Unis, monsieur Chrétien au Canada, en Suisse, qui sont formés en fait partout sur des modèles occidentaux? Que faites-vous pour pouvoir les amener en Afrique et qu'ils pensent à des modèles spécifiques, sachant qu'ils ont les connaissances des modèles de base européens et occidentaux et qu'il faut quand même être un petit peu novateur pour les modèles africains, puisque les Africains doivent se saisir eux-mêmes de leur propre développement. Merci. Mon expérience, si je peux prendre la parole, au Canada, je constate que beaucoup plus de jeunes formés au Canada reviennent en Afrique. Il y a plusieurs années, leur seul objectif, c'était de rester au Canada, ou s'ils étaient aux États-Unis, de rester aux États-Unis. Mais je constate... qu'il y a beaucoup plus qu'ils ont hâte de revenir. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Le continent africain, c'est un continent d'opportunités. Ce sera un continent qui sera très riche dans les années à venir. La population va doubler, mais les ressources sont là. Et tout est à faire. Alors, de la période du développement qui commence à peine,
va amener des opportunités que ces gens-là ne trouveront pas, même s'ils restent aux États-Unis ou au Canada ou en Grande-Bretagne ou en France. Alors, ils vont revenir ici et peut-être aussi qu'il devrait y avoir certaines écoles spécialisées qui se développent dans certaines parties d'Afrique. Pour, je pense, l'exemple de la médecine, par exemple, c'est un secteur qui... La formation en médecine n'est pas très bien organisée ici en Afrique, me dit-on. C'est pourquoi il y en a tant qui viennent faire leurs études en Amérique ou en Europe. Mais s'ils avaient de bonnes écoles ici, ils demeuraient avec les leurs, j'en suis sûr. Moi, je pense que ce problème-là, madame, va s'améliorer considérablement avec le niveau d'opportunité qu'on a ici en Afrique présentement. Vous voulez réagir, monsieur le ministre, peut-être, à ce que vient de dire Jean Chrétien? Sur l'éducation et sur le fait qu'il faut investir dans les universités pour faire des bons médecins en Afrique, par exemple. Non, je crois que sa conclusion, je suis d'accord avec sa conclusion. Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés à l'extérieur, souvent sur le financement de l'État, et qui, à la fin, ne reviennent pas au pays pour des raisons parfois d'opportunité, parfois de rémunération. Ouais, très souvent, c'est le problème de rémunération qui se pose. Hein. Il y a un décalage de rémunération qui fait qu'un jeune ingénieur des mines à Paris, hein, s'il travaille en France, hein, son salaire sera bien plus élevé que s'il venait une société minière. Il faut se développer pour les faire revenir. Il y a une dernière question, mais on m'a dit qu'on n'avait plus le temps, alors peut-être une toute dernière là-bas. Merci, je m'appelle Eric Baudossou. J'ai l'honneur de servir une organisation qu'on appelle Prometra, et qui travaille à la réhabilitation des valeurs de civilisation africaine. Le Nord, pour nous, c'est une société qui produit des techniques et des biens. L'Afrique... Pardonnez-moi, il faut vous poser rapidement une question, parce qu'on doit terminer ce débat. L'Afrique est une société qui produit des hommes. Il y a une différence considérable. Pour le Nord, ce qui est important, c'est l'argent, le pouvoir. Et tout le système va pour ça. Donc, et ceci conduit le Nord dans le mur. Je pense que tout ce système, nous le savons tous, n'a pas d'avenir. Et pour nous, c'est heureux que l'Afrique soit en retard par rapport à ce système. Et le modèle africain, même s'il doit être développement, appelons ça comme ça, doit humaniser le développement. Vous avez une question, monsieur ? La question, c'est... Il faudrait que l'Afrique ne soit plus un marché, mais que l'Afrique soit l'avenir. Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter pour être, n'est-ce pas, l'avenir de notre planète? Une réaction, qui veut réagir sur l'Afrique doit-elle, comment l'Afrique peut-elle être l'avenir? Question très vaste, on a peu de temps, qui veut réagir et conclure. Écoutez, en même temps. L'Afrique est en train de construire sa propre dynamique, son propre modèle de développement avec ses valeurs, son référentiel, son mode de vie, son histoire. Et je pense que la dimension dont il a parlé, qui est celle d'humaniser le développement, est quelque chose qui incontestablement sera intégré dans toute la dynamique africaine. Je voudrais rebondir rapidement sur le retour de la diaspora. Pour utiliser un terme de marketing où on dit, dans une économie d'offres, on ne vend pas, on donne envie d'acheter. Il faut que les pays donnent envie à leur génération de revenir. Le fait d'avoir des dynamiques de croissance, de développement, diversification de l'économie ouvre des opportunités. Notre expérience au Maroc l'a démontré. Il y a eu un fort retour des compétences vers le pays. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une offre de possibilités et d'opportunités pour ces jeunes-là. C'est l'économie des différents pays qui fera revenir la diaspora. Merci Saïdine Mézoir, merci Monsieur le Ministre, merci Bibi Bourg, merci Jean Chrétien, merci Jean-Pierre Léman, merci à vous d'avoir suivi ce débat et bien sûr, le meilleur forum continue.